Ok. Bonjour à tout le monde, je suis Ariane Evermint. Je suis quoi d'autre? Je suis moi. Alors, si vous n'avez pas encore activé la cloche, s'il vous plaît, merci de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et alertes en ce qui concerne mes prochaines publications. Pas uniquement en termes de grossesse, hein. Je vais également essayer de faire un tutoriel beauté, un nouveau tutoriel beauté dans les jours qui suivent. J'attends en fait que ma fille revienne pour qu'elle puisse tenir la caméra parce que à Bagante, je n'ai pas trépied. Alors, à part cela, si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de cliquer sur s'abonner sur la chaîne. Ici, je parle de d'allaitement, de grossesse, tout ce qui concerne la maternité, mais également les soins naturels de beauté. Quoi d'autre? Des conseils sur la perte de poids, la remise en forme. Je transmets également des tutoriels de sport, que ce soit de yoga, de sprint, d'aérobic, de pliométrique et pliométriques. Is it an English word or something? I think that's an English word. Et plein d'autres choses. Bref, j'essaye de faire comprendre à la femme africaine que l'exercice physique ne se limite pas qu'à la marche déjà, mais à beaucoup d'autres choses. Alors, 1 minute 54. Aujourd'hui, nous devons parler de la semaine 7. Et parlant de la semaine 7, je me rends compte depuis un certain temps, en fait, que on dirait que mon cerveau me joue des tours. J'ai tendance à beaucoup oublier. Comme tout à l'heure, j'étais en train de chercher un soutien-gorge noir pour que je puisse mettre ce t-shirt, cette jolie mini-robe de grossesse. Alors, je l'ai cherché partout, je ne sais plus là où je l'ai mis. Franchement, je ne sais plus là où je l'ai mis. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais pregnancy brain. Je ne sais pas comment on appelle cela en français. On a tendance à oublier et à faire des choses franchement qui n'ont pas de sens. Et ça m'arrive de plus en plus pendant cette grossesse. J'en avais entendu parler lors des grossesses précédentes, mais je ne l'avais pas expérimenté de la sorte. Franchement, il m'arrive de faire des choses qui ne tiennent pas debout. Un autre exemple, par exemple, j'ai un verre d'eau dans la main ou alors un plat. Avec des déchets, je me retrouve devant la poubelle. Au lieu de verser les ordures dans la poubelle, je verse au sol. Carrément, je verse au sol. C'est pareil pour l'eau. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Anyway, allons-y pour la semaine 7. Ok, alors la semaine 7, elle se caractérise par... je m'étais déplacée de Bagante pour Yaoundé. Je devais rencontrer le médecin parce qu'en ce moment-là, je voulais déjà savoir est-ce que le bébé s'était implanté là où il fallait, est-ce que tout va bien, est-ce que c'est véritablement dans l'utérus que la fécondation, l'anidation et tout le reste, est-ce que tout est en ordre quoi. Est-ce que tout est en ordre? Donc, je suis allée le rencontrer lors de la semaine 7. Je pense... Est-ce que je venais de rentrer de Kribi? Non, c'était bien après. Donc, il y a plein de choses à raconter cette fois-ci. Alors, nous allons commencer par les symptômes. Le premier, le top, c'est la fatigue. Alors, parlons de Kribi parce que j'y étais allée, la famille y était allée pour commémorer le départ de maman il y a déjà plus d'un an. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est vrai, les roues, ils étaient encore beaucoup plus constants et flagrants. Ce qui a fait que je ne puisse pas cacher à mes proches, franchement, que j'étais enceinte. Mais il y avait autre chose. Un matin, je me réveille. Je me dis, je vais ranger la chambre. C'était le jour du départ. Oui, le jour du départ. J'ai demandé à mon papa quand est-ce qu'on devait partir. Il m'a dit vers midi, un truc de ce genre, donc de ne pas me presser. Alors le matin, je me lève, je dis, je vais ranger un peu, question d'être prête si jamais il arrive. Et il dit que it's time to go. Alors je me lève, je range mon lit et j'essaye un peu de faire mon sac. Non, quelques 2 à 5 minutes plus tard, je me suis recouchée tout sagement, tout bonnement. Parce que j'étais
essoufflée à un niveau, franchement, j'étais KO, j'ai pas compris, je n'ai franchement rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis tellement fatiguée? Alors je me suis recouchée, je me suis même endormie parce qu'il est venu frapper, je n'ai pas vite réalisé qu'il était en train de frapper. Donc il y a cet épisode de fatigue-là, le sommeil, il est encore difficile à cette étape. Je n'arrivais pas vraiment à dormir dans la nuit, déjà qu'il faisait très chaud à Kribi, franchement. Il fait très chaud à Kribi, donc j'avais également ces bouffées de chaleur, pas à cause de la ménopause, hein, mais parce que vous savez, Bagante, Yaoundé, Kribi, franchement, il y a des changements climatiques, de température qui s'imposent. En parlant, en revenant sur les roues. Les rots, c'est pas seulement lorsque je viens de manger ou quoi que ce soit. Ce que j'ai remarqué pendant cette grossesse, c'est un symptôme que je n'avais pas pendant les autres grossesses, c'est que je sois endormie ou alors que je sois tout au long de la journée, je suis en train de rôder. Honnêtement, ça c'est incroyable. C'est incroyable, je suis en train de rôder. Donc parfois je suis allongée, il faut que je me remette droite pour que l'air puisse s'échapper. Donc c'est incroyable, je ne comprends pas. Et c'est l'un des symptômes des tout premiers, mais que j'ignorais en ce temps-là, qui s'était manifesté parce que j'avais remarqué que c'était constant et j'ai observé un peu les autres membres de la famille, se passait rien. Bon, bref, je me suis dit que ça va passer. À part les rots que j'ai signalé également au gynécologue, il m'avait demandé de prendre Gaviscon. Gaviscon, c'est un anti-problème gastrique et tout cela, c'est une sorte de pâte blanchâtre qui n'a pas très bon goût hein, parce qu'il y a du bicarbonate à l'intérieur. Donc, ça m'a beaucoup soulagée au début parce que je n'avais pas trouvé d'alternative au reflux gastrique en ce temps-là. Je dois. Besoin de cool down a bit avant de continuer pour ne pas me sentir très essoufflée quand je vais parler. Alors, on parlait de Gaviscon. Alors, je n'avais pas encore trouvé d'alternative en ce temps-là. Donc, chaque fois que je finissais de prendre un repas, je prenais un sachet de Gaviscon pour ne pas avoir à trop souffrir par rapport à cette sensation de chaleur qu'on a au niveau de la poitrine. Mais à la longue, disons 3 à 4 mois plus tard, je me suis rendu compte que lorsque je bois chaud, comme j'avais l'habitude de le faire avant de la grossesse et toujours, après un repas, je pouvais tolérer ce malaise-là sans plus avoir à prendre Gaviscon. Donc je prends de moins en moins Gaviscon. Je prends Gaviscon dans les cas vraiment très graves où ça chauffe malgré tout ce que j'ai pu faire. Donc ça s'est espacé et la boîte est là, elle est assise au chevet de mon lit et j'y touche à peine maintenant. Non, franchement, ça c'est un des trucs positifs qui m'a aidé à mieux tolérer ce symptôme de la grossesse. Alors, essoufflement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais c'est moindre parce que là j'arrive à parler longtemps sans plus prendre des pauses. Au tout début de la grossesse, même lorsqu'il fallait que j'échange avec les membres de la famille, mon mari était Sira, qui s'était même inquiété à un moment donné, il me demandait, mais est-ce que c'est normal? À chaque fois que je parlais, j'étais en train, je prenais toujours des pauses. Après, disons, chaque petite phrase, il fallait que j'inspire, j'expire. Je vous raconte également quelque chose qui s'est passé pendant cette 7e semaine-là. Alors, je descends les escaliers parce que nous sommes à un niveau. Je descends les escaliers, je vais en bas. J'étais en train de ranger un peu. J'étais donc à la recherche du pullover. Il y a un pullover de ma petite fille, petit modèle que je cherchais. Et j'ai donc dû remonter les escaliers doucement. Je remonte les escaliers quand j'arrive en haut. Mon mari était dans cette salle précisément. Et le pull était quelque part sur la chaise en face de moi. Je lui dis, est-ce que tu as vu le pullover de Il me regarde. Tu es sûr que ça va bien? Les escaliers, c'est le pire cauchemar, c'était mon pire cauchemar. Non, franchement, en ce moment-là, on n'aurait pas dit que je suis quelqu'un qui fait du sport constamment. C'était incroyable. Et en fait, je pense qu'il y en a une douzaine ou une quinzaine à peu près.
C'est légèrement un peu suspendu, c'est pas des escaliers plans en tant que tel, donc ça monte vraiment et ça m'essoufflait. Franchement, moi-même je ne comprenais rien, mais heureusement c'est passé la période des escaliers. J'ai écrit pire cauchemar, c'en était un. Il y a également des exercices que j'ai fait en ce temps-là que je vais également mettre pour que vous puissiez voir les exercices que j'ai pu faire en ce temps-là. Je bois un peu d'eau. Je pense que je faisais soit une séance à la semaine ou alors difficilement deux. En plus de ça, la salivation, pardon, mais qu'est-ce qui m'arrive? La salivation est devenue beaucoup plus importante lors de la semaine 7 et rien n'y faisait. Hein. J'ai essayé gingembre, bonbons, toutes ces petites choses dont on parle parfois lorsqu'on fait face à la salivation. Rien n'y fait. Je continue de saliver comme mes deux précédentes grossesses. Là, je viens de boire de l'eau et je suis en train de roter. La salivation, c'est l'un de ces symptômes qui est apparu à la deuxième et à la troisième grossesse. Je ne l'ai pas eu pendant la première. Donc, je continue de saliver. Je n'ai pas encore trouvé de remédie en tant que tel, de remède. Mais ce que j'ai remarqué, et vu que vu que je l'ai fait part, vu que je l'ai fait part à mon gynécologue lors de cette septième semaine, lors de la consultation, la première consultation prénatale, il m'a fait comprendre que il y a un médicament que j'ai souvent l'habitude de prendre pour la rhinite allergique que j'ai toute l'année, le nez qui coule tout le temps. Il m'a fait comprendre que c'est l'un des médicaments qui peut permettre, qui peut assécher en fait, ou alors réduire la salivation. Ce qui s'est avéré vrai, mais le problème, c'est que ces médicaments ne sont pas conseillés lors de la grossesse. Alors, en ce qui me concerne, on peut dire que je suis l'une de ces personnes qui souffrent intensément de la rhinite allergique, d'un nez qui coule tout le temps, des allergies, etc. Donc, je ne peux ne pas prendre d'antihistaminique pendant la grossesse. Donc, il m'arrivait parfois de prendre ces l'histamine et de me sentir mieux. Et effectivement, valider le fait que je salivais beaucoup moins lorsque je prenais ces l'histamine. Mais c'est toujours sur des courtes périodes. Je ne peux pas aller au-delà pour ne pas mettre le bébé ou alors le fœtus en danger. Il m'a également fait part du thé, un thé qu'on appelle rooibos. Je ne l'ai pas encore trouvé sur les grandes surfaces, mais je vais continuer de chercher parce que le troisième trimestre, pour moi, il approche, ce n'est plus très loin. Il va falloir que j'arrête complètement avec la prise d'antihistaminique pour pouvoir supporter le dernier trimestre de la grossesse. Ce sera un challenge, mais j'espère que je vais y arriver et je pourrais enfanter et continuer avec mes traitements d'allergie un peu plus tard. Les siestes continuent d'être fréquentes. J'avais une petite culotte noire que je portais avant la grossesse que je ne mets plus. Et hier j'ai remarqué lorsque je portais une culotte, c'est un pantacourt que j'ai l'habitude de porter, j'ai eu l'impression qu'il me remplissait un peu. Il me remplissait un peu, quoique jusqu'à présent sur la balance, ça n'affiche pas de plus en tant que tel, mais j'ai des doutes. Je me demande si ces balances, si ces balances marchent normalement, parce que là je comprends pas, mais bon, bref, c'est possible, hein. C'est possible parce que depuis lors, depuis le début de la grossesse, je n'ai pas en tant que tel excédé mon apport alimentaire qu'il y a 6 mois, 7 mois, plus d'un an, etc. Je mange encore dans la limite de mes quantités normales. Pour ce qui est de l'échographie, je vous mets l'image là. J'ai pu entendre le battement du cœur de l'enfant, du fœtus à 7 semaines. C'était 7 semaines de jour, si je me rappelle bien. Il m'a confirmé que tout allait bien et que j'étais véritablement enceinte parce qu'à tout le monde, je disais que j'ai un virus dans le ventre. Que j'ai un virus dans le ventre, donc il m'a confirmé que tout allait bien, tout était à sa place, etc. C'était un ouf de soulagement en tant que maman. Et je n'ai pas eu de diarrhée comme un autre symptôme, mais je l'avais eu lors de ma première grossesse. J'avais eu des épisodes de diarrhée qui étaient là pour signaler la présence d'une grossesse. Et je n'ai pas non plus de saignement.
Je n'en ai toujours pas jusqu'à l'heure actuelle. En termes de peau, de ma peau, cette semaine-là, ma peau était, mon visage était très sec. J'ai remarqué que j'avais le visage qui se desquamait, donc la peau quittait. J'avais la peau qui quittait sur le visage. J'avais quelques boutons d'acné sur les épaules, à ce niveau-là. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est des passages constants d'aloe vera, que ce soit sur mon ventre, les épaules, le dos et le visage. Donc je le faisais constamment, vraiment malgré le froid. Je l'appliquais, je laissais sécher et je dormais. Je passais la journée avec, etc. Et je renouvelais. Oh, quels sont les aliments que j'ai répétés pendant pendant la 7e semaine? Je sais que j'ai eu à un moment donné des envies de yaourt. J'en ai pris, disons, un pot nature. Ça ne m'avait pas tellement plu parce qu'il y avait peut-être de la vanille, mais j'ai pris un pot de yaourt nature lorsqu'on rentrait de Kribi. La Malta, j'en ai pris, mais c'était la dernière fois parce que après, ça m'a vraiment. C'était désagréable. Je ne sais pas si c'est subitement devenu désagréable pour moi. J'ai consommé des carottes, de la tomate, des pommes de terre, des frites. J'ai adoré les frites, les frites de pommes et je continue de vraiment les apprécier aujourd'hui. UCB pamplemousse. J'aimais beaucoup. Mon mari m'en a apporté deux lors d'un de ses voyages. Il m'a ramené deux bouteilles et j'ai bu. Je buvais progressivement. Hein. C'était pas du genre je vais vider toute la bouteille. Non. C'était des verres. Un verre aujourd'hui, un verre 2 jours plus tard, etc. etc. Le couscous gombo avec de la morue, la papaye solo et. Devinez quoi? Le héros. Le mets qu'on appelle héros, ça c'est un des plats que j'ai consommé, je pense, à cette période, peut-être 3 fois. Mais cela va s'aggraver dans les semaines à venir. Cela va s'aggraver dans les semaines à venir parce que lors de ma deuxième visite prénatale, j'en étais à 8 plats de héros en moins de 2 mois. Alors que d'habitude, le héros, c'est un plat que je peux manger difficilement 2 fois en un an. Donc, c'était pas, je ne vais pas appeler ça une envie de grossesse, c'est parce que j'avais du mal à manger d'autres choses. J'avais envie de ce goût acide et de légumes. Donc, et lorsque ma fille allait chercher à manger, vu que je ne voulais pas tellement imposer ce goût à la maison, donc elle allait acheter. Si elle allait dehors, elle ne trouvait pas les pommes. Elle me disait qu'elle a vu un plat de héros. Parfois, elle ne me demandait même pas. Hein. Parfois, elle ne me demandait pas. Elle ne m'appelait pas pour me dire, maman, je n'ai pas trouvé les pommes de terre, donc j'ai plutôt pris le héros. Elle revenait encore me servir. Alors, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Je ne voudrais plus qu'elle en ramène. Et c'est comme ça que j'ai pu tempérer ce plat en tant que tel. Alors, comme breuvage, de l'eau de coco, j'en ai bu beaucoup à Kribi, c'était très bon. Et les aliments dont je me suis désintéressée à la semaine 7, il y avait le poisson braisé, le maquereau braisé. J'ai vraiment pas apprécié le goût. Les frites de plantain mûres, la sauce de mangue sauvage, ce sont les noyaux. On appelle ce mets Ndora en ma langue maternelle. D'autres appellent Ndor et c'est une sauce gluante à base de noyaux de mangue sauvage. Et les oranges. Je pense avoir un petit souci avec ma gorge. Je n'arrive pas à parler très longtemps. Ça doit être le climat. Et j'espère que ce n'est pas un début de tout. Donc, je vais devoir écouter la vidéo ici. Je pense que tout a été dit. Cette semaine, elle est beaucoup plus axée sur la première visite prénatale. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour le récapitulatif de la semaine 8. Et là, on va faire comme ça. Allez, ciao, ciao, bisous, merci de vous abonner et de partager, de liker, de commenter. Tu seras, bye bye.